Céline Bello, professeure à l'École de travail social à l'Université de Montréal. Mes recherches portent sur la tension entre les réponses sociales et les réponses judiciaires. L'idée est d'essayer de comprendre pourquoi on utilise des réponses judiciaires plutôt que des réponses d'aide et d'accompagnement auprès des personnes marginalisées, racisées ou personnes autochtones. Parce que c'est un travail d'abord collectif, de transformation de la société, d'avoir une société plus juste et plus égalitaire. Donc de promouvoir la justice sociale en mettant la lumière sur les injustices, les discriminations et les atteintes aux droits fondamentaux que vivent certains d'entre nous et donc d'essayer de corriger ces atteintes-là. J'ai à cœur, en fait, depuis toujours, la défense des droits des personnes les plus vulnérables de notre société. Je pense que c'est dans le partage au quotidien avec ces personnes concernées, la connaissance des atteintes qu'ils vivent et la manière dont on peut les corriger et dont on peut rendre compte, en fait, de ces atteintes discriminatoires ou de ces atteintes à des droits fondamentaux, à leur dignité, et d'essayer de travailler à une société plus juste.